Salut les amis, on se retrouve pour une sortie avec mon ami Guigui. On est sur les bords de Loire à proximité d'Angers. Et nous sommes donc partis pour une semaine de marche qui va consister à faire Angers-Nantes, donc par le biais du GR3. A priori, il devrait faire relativement mauvais, mais pour le moment, on est servi puisque on est arrivé depuis hier. Et ben, on a échappé à la pluie. Et même que il fait grand soleil. Alors, je vais pas vous le mettre, vous voyez sur mon visage. Vraiment, il fait grand soleil et ça, c'est juste génial. Voilà où on a passé la première nuit. Le spot juste quasiment parfait. C'est vrai, con, hein. Alors mon Guigui, tu nous expliques un peu ce qu'on vient de trouver. Petite trouvaille du matin. Donc c'est du champignon qu'on peut utiliser comme amadou. C'est du Daldenia concentrica. On peut voir pourquoi ça a ce nom-là. Là, ça se voit pas trop sur celui-là, mais il y a des cercles, d'où son nom. Et ça, c'est encore mieux que l'amadouvier. Ça, c'est la Rolls-Royce de l'amadou. Ah, là, on voit bien, tiens. Il y a quelques petits passages assez sympathiques. Fin d'étape.
Voilà le camp de la deuxième nuit. Donc on est dans un parc à Rochefort-sur-Loire. On a trouvé un parc où il est possible de pique-niquer. Donc on s'est posé là, on avait la table. C'était le luxe. Avec les petites frontales qu'on avait mis sur une fêtière, et c'était le luxe. Bon, petite pause sur une tour d'observation. On va vous faire un 360, ce sera mieux. Il fait chaud. Il fait chaud. Tant mieux. Hein. Ah oui, tant mieux. Vous avez annoncé de la pluie et il fait grand soleil. Ouais, c'est cool. Hein. Vous aurez qu'à mettre la vidéo au ralenti si vous voulez voir tous les tout ce qu'il y a décrit. Hein. On est en plein vignoble, Angevin. C'est comme ça qu'on dit, hein, Angevin. Je sais pas. Voilà. Fin de journée. Ça a été un petit peu compliqué aujourd'hui. Puisque là, il est 20h. On vient juste de se poser. On a paumé la trace du GR pendant plus de 2 heures. On a mis 2 heures à peu près pour la retrouver. Mais là, ça y est, on a trouvé un spot. On a retrouvé le GR. Un spot, donc on va se poser ici pour cette nuit et puis demain on reprendra la route. Par contre effectivement on a perdu une bonne demi-journée en fait, mais voilà. Il est où le Guigui? Il est là le Guigui. Ah mon Guigui, bien fatigant aujourd'hui, hein. Ouais, mais bon, ce détour, ouais, c'était con. Ouais c'était con. Hein, ça pétouille. Ouais. Avec les poteaux, ça. Donc là ce soir c'est feu pour se chauffer, mais gaz, oups, pour la bouffe. Plus rapide. C'est plus rapide. Ouais. On a les crocs, hein. Ouais, on a faim, c'est vrai. Ouais. Non, mais le feu c'est surtout psychologique en fait. Ça nous fait du bien, mais ça nous réchauffe aussi. Voilà. Merci mon Guigui. Bon appétit mon Guigui. C'est bon. C'est chaud. Allez. On fait une petite séance télé puis après dodo. Allez, rangement du camp en cours et on va reprendre la route à mon Guigui. Ou bien. Une petite pause. T'es toujours, ouais, en pause quoi. Ouais, toujours. Toujours. Mais là ça vaut le coup de se poser et d'admirer. Bon, c'est sombre, mais c'est pas grave. Averse, orage, oh désespoir, c'est de la grêle. Donc on s'est vite abrité sous un saule. Comme je le disais hier soir, on a retrouvé la trace en fin de journée. Du coup aujourd'hui, on a rattrapé le GR correctement. Et on s'est posé de bonne heure. Le Guigui, il fait semblant de pas nous voir là, mais il nous voit quand même. Hein. On s'est fait une zone vie parce que le temps est en train de changer et qu'on a chopé quelques gouttes. Donc sur le bord de Loire, vraiment sur le bord de Loire,
et tous les abords sont aménagés a priori avec des tables, des poubelles et autres. Et donc ce soir on va dormir ici, entre ces deux arbres. Il a chopé un truc. Tu l'as vu ? C'est parti. Ah, c'est beaucoup moins bien. Ah, tu vois, c'est beaucoup moins bien, je t'avais dit. Il va mettre de la lumière. Celui-là, vous ne voyez peut-être pas beaucoup. Et ça marche ? Ah, ça marche, c'est pas mal. Non, c'est pas moi qu'il faut... Bonsoir. Bonsoir. Alors, il pleut. Il pleut. Mais avec notre zone vie, on est bien. On n'est pas mouillé. On n'est pas mouillé. Et on va faire à manger. Et on va faire à manger. On va vous montrer tout à l'heure. Mmh, beaucoup manger. Bon, bah, on avait dit on vous montre, on vous montre. Aiguillette de poulet, macérée au tandoori. Mmh. Et des pâtes qui seront accompagnées d'une sauce crème. Crème fraîche. Hein ? Crème fraîche. Mmh, ça va le faire. Ça va être bon. Voilà. Beaucoup manger. Beaucoup manger. Beaucoup. Ah, ça y est, on va pouvoir manger. Manger. Ah, manger. Beaucoup manger. Beaucoup manger. Miam, miam. C'est chaud là, je vais me brûler. Là. On est à nouveau sur le GR et ça, c'est le résultat de la tempête qu'on a essuyée hier. On peut voir que l'arbre est coupé en plein milieu et on peut voir aussi qu'on n'est encore pas sorti d'affaire puisque c'est quand même assez sombre. Une ancienne écluse. Et on voit une barge un petit peu au loin là-bas. Oui. La petite pause ravitaillement en cours de route. On a eu la chance de trouver un petit Shopi, non, Express Carrefour d'ailleurs. Donc voilà, on va pouvoir se ravitailler. Et ça, c'est très très bien. Alors ça c'est notre zone vie pour ce soir. Ce soir ce sera notre dernier bivouac. Donc sur une table encore une fois, sur les bords de Loire encore une fois et toujours. Et le feu que Guigui est en train de nous préparer.
pour la dernière flambée. Allez, la nuit s'est bien passée, tout compte fait, on n'a pas eu de pluie comme on s'y attendait, ça s'est même dégagé. Donc le camp est rangé, et on va partir direction la prochaine gare pour pouvoir rentrer au bercail. Mais avant ça, on fera une petite soirée détente, décrassage, en espérant que... Eh ben, ça se maintienne, mais ça y est, c'est à nouveau... Là, ça pue, faut y aller, là. Qu'est-ce que tu dis? Là, ça pue, faut y aller. Ouais, ouais, ouais. Oh putain, oui, j'avais pas vu de l'autre côté, mais... Effectivement... Le ciel est... Waouh. Voilà. Ben non. Terminé. Ouais, bah, belle rando. Le temps compliqué... Mais on s'en est bien sorti. On s'est bien amusé, ouais. Quand même. Les paysages changeaient tous les jours, donc c'était pas monotone. C'est dans l'ensemble. Un petit peu fatigué quand même, hein. Mais... Ah bah, c'est bien. La rando sur 7 jours. Une panthère qui passe derrière. Bon, allez, salut. Ciao, ciao. Ciao.